Hello tout le monde, c'est Silent, on rentre sur The Witness encore. Et ce nuage gris commence à me perturber. Je vais juste déplacer ma souris un peu, je suis désolé. Vraiment, je vais regarder un peu les alentours si j'avais raté quelque chose de obvious. Et ce nuage gris, comme j'ai dit, ça me dérange tout simplement quoi. Je pense qu'on va se diriger vers la vers la maison. Je sais pas si... Wow. Hey. Hey, ça fait une sorte de super boucle de la mort là. Oh. Là? Oh. Oh. L'arbre. Tu fais chier l'arbre. Attends. On a déjà essayé de faire la boule correctement. What the fuck? Peut-être qu'il faut que j'aille là-haut. Putain, mais ouais, ça fait une... 2 000 comme je l'avais dit, mais. Ici. Attends. Il doit y avoir une solution à cette merde. Solution où je dois être pas très loin, mais pour le moment je vois pas trop encore. Alors. Non, on s'éloigne. Faut que j'aille là. C'est quoi ce chemin? Oh. Putain, mais il y a une ville souterraine là-dessous et... Oh mon dieu! Et là, ce nuage gris là, il y a un truc à faire là, c'est pas possible. Là! Oh ah bah non. Ça passe pas parce qu'il est gris, il est pas content. Bon tant pis. Juste peut-être prendre une photo de l'endroit où je suis. Est-ce que ça marche toujours? Non, comme ça. Là ouais. Peut-être qu'on prend une photo. Sans souvenir qu'on a trouvé un truc là. On a un putain de nuage gris du coup. Pour le moment, il est gris, c'est pas possible. On doit avoir plein de puzzles avec les nuages alors, je pense. Ouais, sûrement. C'est d'observer. Alors, il n'y avait vraiment rien d'autre hein, pour le moment. J'avais oublié d'aller checker là-bas tout en haut si ça avait changé. Je vais y aller tout de suite et on se retrouve dès que je suis... Pourquoi le soleil est orange là? Ah là là, tant de questions. Allez, à tout de suite les amis. Alors je suis bientôt, je vais juste vous montrer une super... je sais pas, je trouve ça super beau là d'ici. C'est vraiment classe. Je cherche des trucs pendant que je monte. Hein. Bref. On va monter, il reste plus... beaucoup de chemin, donc je vais venir avec vous. Enfin, vous allez m'accompagner plutôt. Donc il y a une boîte jaune là-bas. Il y en a une qui est là-bas.
Peut-être qu'on voit quelque chose avec les nuages ici. Il y a quelqu'un là. Oh! Sérieux? Putain, j'ai bien fait d'être revenu là, parce que du coup ça va me permettre de faire peut-être plus de choses désormais. On va peut-être comprendre enfin ce langage des trucs qui disparaissent là. Alors j'essaie de trouver un endroit où je pourrais séparer les couleurs là. Ça m'a l'air un peu compliqué. Les blancs, il faut que je laisse au milieu. Il faut que je sépare les noirs en gros. Faudrait qu'on fasse ça avec un angle super précis, je pense. Je teste des trucs, hein, comme d'habitude. Et ça, je pense, ça va être super important de le valider, celui-là. Par là. Là, on peut casser le premier blanc. Ah, mais là, il n'y a pas de sortie. Au pire, on essaie de séparer les blancs. Il n'y a pas de sortie. Comment je pourrais faire cette chose? Non, non, ça marche pas. Oh my god, en plus on va devoir faire une sortie pour celui-là, une sortie pour celui-là, et une sortie pour celui-là en fait. Là vous voyez, c'est pas verrouillé, mais là ces trucs jaunes ça verrouille. Oh my god, il y a 3 sorties à valider. 4. Non, 3. Pour raconter Silent. Alors, il y en a une qui sera forcément là, dans ce sens ou dans celui-là. Je pense que le meilleur sens ce sera celui-là. Parce que là, on part de tout à gauche et on y va tout à droite. Ok. Bon, j'essaye, hein, encore une fois. Ah,
Ah, il y a de l'idée là, mais le problème c'est qu'il y a le noir et le blanc là-bas qui sont ensemble, hein, sur la gauche. Ah non. Je voulais faire comme ça, mais ouais, je peux pas revenir quoi. Oh là là. Oh my God. Dans ce sens, je peux rien faire. Ah, mais c'est simple. Super simple en fait. T'as l'air heureux, toi. J'ai une boîte. Hey, y a plein de symboles là-dessus. Comment je... What the fuck, mec? J'ai le cerveau qui est en train de mourir, là. Là, tac. Non. Là, je pars d'ici. Tac, on casse le blanc là. Et voilà, et on peut rien faire d'autre. Oh putain. Ah, j'arrive pas. Putain de merde, mais mon cerveau là! J'en ai fait un de plus que ce qu'il fallait. Et c'est vraiment super difficile, hein. Attendez. Il y a des lignes qui sont tracées là. Et elles vont là. Ah là, est-ce que ça veut dire que si je prends là, je dois aller là-bas? On va essayer d'obéir cette règle. Même ça me paraît complètement stupide et... Oui, c'est une solution. Ok. On va continuer cette règle de... Putain, je prends une photo de cette merde là parce que... Mon Dieu, c'était magnifique. Ok.
Maintenant, celui qui va ici doit être connecté avec celui-là qui va en face. On va essayer de trouver de nouveau une superposition de la mort qui permet de bien séparer les choses. Là c'est encore un essai, hein. Pour le moment je suis pas sûr de ce que je fais. Ok, il faut que j'ai accès à cette partie et là ça devrait être bon. Là normalement c'est bon, là je peux le valider. Ouais, ça fonctionne normalement. Ouais, c'est bon. Une autre photo. Tac. Et ensuite de l'autre côté. Pour aller là-bas. Ça des trucs un peu plus utiles ailleurs. J'ai la solution là, mais il faudrait que je décale un peu plus. Ah non, ça marche pas. Ah. Ouais, parce que là je peux pas remonter. On s'en fout, on peut le laisser le noir. Ouais non, là c'est pas bon, ça fonctionne pas. Il faudrait que je le prenne sous un autre angle, je pense. Là c'est nul, c'est que j'ai accès à rien quasiment. Peut-être de ce côté là. Ça là, je crois que là c'est pas mal. Je passe comme ça, là je sépare le blanc. Tac, là le noir on le laisse à l'extérieur avec l'autre et c'est bon. Ça sépare le blanc à nouveau, c'est bon. Oh my god! Oh my god! Décaler mon portable parce que ça se perd à mort. Je veux pas que ça vibre et que vous entendez les vibrations. Waouh, c'est super louche. C'est où cet endroit? Non, on dit le château là à gauche. Il y a des caméras qui observent depuis tout ce temps. Et j'en ai pas vu une seule.
juste là. C'est vrai si je peux observer quelque chose de spécial, mais je pense hein, qu'il y a des trucs épisodes indices et autre chose. Alors je sais pas du tout où c'est qu'on est en train d'aller là. On dirait un peu portal là, la salle à côté. Ça fait très portal, putain les murs. Waouh. Bienvenue à la salle de test numéro 475. What the fuck, c'est quoi ce machin? Ça a fait un chemin, c'est ça? The relation between the controller and the controlled is reciprocal. The scientist in the laboratory studying the behavior of a pigeon designs contingencies and observes their effects. His apparatus exerts a conspicuous control on the pigeon, but we must not overlook the control exerted by the pigeon. The behavior of the pigeon has determined the design of the apparatus and the procedures in which it is used. Some such reciprocal control is characteristic of all science. As Francis Bacon put it, nature, to be commanded, must be obeyed. The scientist who designs a cyclotron is under the control of the particles he is studying. The behavior with which a parent controls his child, either aversively or through positive reinforcement, is shaped and maintained by the child's responses. A psychotherapist changes the behavior of his patient in ways which have been shaped and maintained by his success in changing that behavior. A government or religion prescribes and imposes sanctions selected by their effectiveness in controlling citizen or communicant. An employer induces his employees to work industriously and carefully with wage systems determined by their effects on behavior. The classroom practices of the teacher are shaped and maintained by the effects on his students. In a very real sense, then, the slave controls the slave driver, the child, the parent, the patient, the therapist, the citizen, the government, the communicant, the priest, the employee, the employer, and the student, the teacher. B.F. Skinner, 1971. Ok. Ça m'a l'air assez hardcore cette zone là. What the fuck, y'a un puzzle ici vraiment?
je peux le faire complet ici. Par contre, il faut que j'aille plus près pour voir où sont placées les choses. Je prends une photo. Alors, hop. Voilà, on a notre photo. Ça a pas l'air très difficile, mais faut y arriver. Alors est-ce qu'on peut tout faire? On peut tout faire, ok. Alors. Ça aussi, okay, c'est deux pièces de 4. Alors j'en ai une de 4 en tétrimino. Faut que j'en fasse une autre. Alors juste couper ça à l'instant même. Tac. Ça a l'air d'aller super loin ces machins. Je sais pas si je devrais faire ça maintenant parce que j'ai l'impression que ça va être la fin du jeu en fait. On était parti pour faire la maison des couleurs. Je pense qu'on va faire la maison des couleurs d'abord. Parce que là. Et vraiment, c'est pas facile là les puzzles qu'ils nous proposent. En plus, il y en a qui a un décalage là. C'est plutôt strange. Bon, en tout cas, on a réussi à découvrir une autre, nouvelle zone, c'est cool, mais... Ouais, ça a l'air plutôt ardu du cul, quoi. Quand même. Alors, ce serait bien qu'on essaie de comprendre comment fonctionne ce puzzle de merde ici, là. On sait que c'est vert. C'est tout ce qu'on sait, quoi. T'écris toi. Ah c'est vrai, il y a toujours le truc des oiseaux à finir là aussi. Ah, ça va me briser la tête ce machin. Vraiment super chiant quoi. Ok. J'aimerais voir ce qu'il y a en dessous parce que. Mais non, on peut voir en dessous. On peut voir, mais pas toutes les salles nous permettent de voir en dessous. Là, par exemple, il y a les lumières. Ok, bon. Je peux les séparer comme ça en fait. Me complique la vie. Hein. D'avoir quelque chose de vieux que j'ai dû rater simplement. Ok.
alors. Toi, t'es bleu. Est-ce qu'il y a d'autres fleurs? Attends, attends. Eux, ils sont bleus. C'est entièrement dans le vert. Eux, ils sont verts. Ils sont entièrement dans le bleu. Eux, ils sont gris. Gris, bleu, vert. Ça doit être un truc dans le genre. Je pense qu'il faut que... Donc, vert égale bleu. Attendez, on va déjà faire ça. Tac. Wow, wow, wow. What? Ah, merde. J'ai mal séparé les choses. Ah non, 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 non. Stop, 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 stop. Retour tout en haut. C'était ici, je crois, pour tout en haut. Voilà. Vert, vert, c'est bleu. Vert, bleu, c'est vert. Je sais rien, on va noter, hein. Mais ça me paraît un petit peu partir en steak là. Vert égale bleu. Vert plus bleu égale vert. Unique. Il est uniquement dans le bleu ou pas? Je saurais pas dire franchement si c'est lui qui est plus dans le vert ou lui qui est plus dans le vert. Bon ben, à dire que bleu égale noir. Ok, du coup est-ce que je peux faire quelque chose avec ça en fait? Pas du tout ce que je devrais faire, hein. Franchement je n'ai aucune idée. Non 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 non. Ah merde quoi. Vert égale bleu, il n'y a pas de vert. Bleu égale noir. Vert plus bleu. Oh my god. Est-ce que... Oh. Ça fait un chemin là, les plantes. Est-ce que ce serait ça? Ou alors ça, 1, 2, 3. Fait du 4 par 5. Donc là on avance de 1, tout à droite. On avance de 1, tout à gauche. On avance de 1, tout à droite et on remonte. C'est quoi, on va essayer ça, hein. Tac, 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 tac. Le truc qui me dérange, c'est que celui-là, il est moins avancé que celui-là, ici. Pas les couilles. Oh
étage du coup. Non, c'est disposé n'importe comment. Bon, on va enlever le vibreur de ce téléphone. Juste sortir, juste noter les couleurs qu'il y a. Il y a vert qui est disponible, il y a bleu qui est disponible, il y a rouge tout en bas, je crois. Là, c'est bleu, rouge, donc violet. C'est là qu'on a quelque chose à faire. C'est là que j'ai quelque chose à faire, ouais. Faut que je compare ces couleurs avec celle-là. Ça doit être ça. Pour savoir lesquelles sont lesquelles, en fait, simplement. Je crois, hein, mais... Là, ça devient trop casse-tête. J'avais déjà pris des photos de ces machins là. Ah, mais peut-être c'est pas violet en fait. Bleu égale noir. Vert égale bleu, ouais, bon. Merde, je sais pas. Ouais, ça donne du violet, on dirait. Regardez là, ça donne du violet. Logiquement, on a du violet là-bas. Je pense, hein. Parce que là, on a rouge. Au-dessus, on a bleu. Donc ça doit être violet là. On a du bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc. Ok. On va juste faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors là c'est le bleu, là c'est le rouge et là c'est le blanc. Il reste bleu, blanc, rouge.
Je vais réfléchir un peu de mon côté, les amis, là. Histoire de pas faire une vidéo trop longue sur un seul puzzle et je vous retrouve tout de suite. Alors, les amis. Vous allez exploser de rire. Je sais pas si c'est ça la solution, j'ai pas encore essayé, mais. J'ai fait plein de tests là sur. Putain, comment ça s'appelle? GIMP Image qui vous permet de modifier des images. J'ai pris une print screen de cette merde. Bah, y a une fonction print screen simplement. Là, vous voyez. Hop, screenshot. J'ai pris un putain de print screen, je l'ai ouvert dessus. J'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de saturer les couleurs, de mettre que du vert et tout. Ça marchait pas, ça me donnait des trucs bizarres. Je suis pas un expert en retouche d'image, du coup je sais rien faire. Par contre là, j'ai un truc qui est apparu, qui est nouveau justement, et c'est ça. Quand j'ai appuyé sur couleur dans GIMP et que j'ai mis coloriage, ça m'a mis que ces deux là étaient noirs et tout le reste était blanc. Oh my godness, t'es sérieux, c'est ça? Est-ce qu'il va apparaître noir? Ah mais c'est dehors que je suis censé savoir en fait. Moi ces deux je les voyais noirs et tout le reste je le voyais blanc. En gros. Putain de merde, non mais sérieusement. Ah, on n'y est pas encore. Mais ouais, je sais pas du tout s'il fallait faire comme ça à la base, hein, mais ça fonctionne, hein, donc bon. Ouh là là. C'est simple en fait, enfin, comme ça, et puis voilà. Ouais, donc j'ai simplement fait ça, c'était le seul qui était différent dans les... J'ai rien changé dans les options, j'ai fait couleur, coloriage, ça m'a apparu les... deux trucs du milieu noir, je me dis, ah ça c'est nouveau, j'ai jamais eu comme image. J'ai essayé au bol et merci GIMP quoi. Simplement merci GIMP. Putain de merde. Je sais pas s'il voulait qu'on modifie actuellement et qu'on fasse des saturations ou je sais pas quoi en... pour faire apparaître le vert. T'arrives à le toucher là? Ça me paraît un peu short pour qu'il le touche. What? Ça va partir à droite? Ah non. Non, ça va partir à droite. Dans le vide. Ah, il tourne. Ah, pour moi, il le touche pas. Du coup... J'en ai vraiment aucune idée si c'était ça la solution que Jonathan il voulait qu'on trouve, mais bon, ça a fonctionné pour moi, tant mieux. Franchement, merde, c'est déjà assez difficile comme ça. Donc utilise un outil externe pour essayer de modifier les trucs. Ah, t'arrives à le toucher, putain. Limite, hein. Ok, donc on a la forêt avec les oiseaux à finir. Ah. On va peut-être se diriger vers les oiseaux et essayer de faire ça encore une fois vu que c'est à côté. On a la porte qui est dans la montagne à comprendre. On a le village à finir aussi. Là, on n'a rien trouvé. Je vois rien, c'est tellement sombre, j'arrive même pas à voir où sont les trucs à trouver au final. Il n'y a rien. C'est bon, il n'y a rien de dessiné sur celui-là. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Rien. Rien, rien, rien. C'est juste vide, peut-être qu'ils sont en bas. Non. Non. Bien étrange. Pourquoi il a rien celui-là? C'est tellement triste, t'as pas d'amis. J'ai même pas remarqué qu'il avait rien. Ouais, donc les oiseaux, nous y voilà.
savez quoi? Je vais de nouveau faire une capture son et revérifier avec Audacity. Essayer de modifier des paramètres, essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais... Là, j'arrive pas. Je vois pas. Pour moi, c'est le deuxième son, parce qu'il y a quatre bruits. Bref, je vais essayer de voir ça avec Audacity, et puis je vais essayer de l'analyser, d'isoler peut-être juste le son qui est important, et enlever l'oiseau, parce que ça dérange, ça déconcentre. On se retrouve tout de suite. Alors, de ce que j'ai pu entendre, comme je l'ai dit la dernière fois, le premier et troisième son sont les mêmes. Donc. Ça, ça va être le premier, ça va être le troisième. Parce que j'ai aucun moyen de prendre lui et de repasser par l'autre, je crois. Attendez, je vérifie, mais normalement... Non, c'est... Si on récupère celui-là, c'est mort pour récupérer... Donc, lui, c'est forcément le premier. Lui, c'est forcément le troisième. Maintenant, faut qu'on essaie de trouver un truc. Donc, c'est soit... Tac, 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 tac. Ce qui ne fonctionne pas. Ou alors, faut que je fasse dans l'autre ordre en prenant la grosse à la fin. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme ordre déjà? Alors, du coup, ça doit être un truc... Tac... Comment je récupère la grosse à la fin? Oh! Ah bah oui! Et là je peux m'amuser à faire n'importe quoi du coup. Ouais, c'est... Ok. Donc, vraiment, se concentrer sur les sons. Là il y en a deux qui doivent être de nouveau pareils. Chut. Vas-y, vas-y, balance. Alors faut écouter l'oiseau cette fois. Vas-y. Alors il y en a... Ah mais non, faut pas écouter l'oiseau, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, merde. Attends, ok. Vas-y. Ok, vous savez quoi, je vais de nouveau couper parce que il faut que je trouve un moment où ils sont séparés les deux et que je isole les sons parce que là ça... C'est juste horrible pour la tête, c'est... Ah putain, j'en peux plus quoi. Faut que j'arrive à les séparer avec Audacity, les écouter vraiment séparés, me dire lequel est le bon, dans quel ordre ils font les piou-piou. C'est vraiment... Sans Audacity, je peux pas. Moi, perso... Surtout quand ils sont superposés les uns sur les autres, c'est la merde. Donc, je vous redis à tout de suite et j'essaie de choper, de capturer le son où ils sont séparés. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, de ce que j'ai cru entendre, c'est comme je l'ai dit, les deux premiers sont les mêmes. Après, il y en a deux autres qui sont pareils à nouveau. Oh merde, j'avais pas remarqué qu'il y en avait deux autres qui étaient pareils encore. Bon, on va essayer comme ça, on verra bien. Bon, c'est le bon. Ok. Je... Oh putain. Allez. Pop. Attends. On va choisir un bon ordre, genre pi prr, pi. Pi prr, pi prr. Ok. Pi prr. Pi. Pi prr, pi prr, pi. 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 Attends, vas-y.
Pip, pu, pip, pip, les. Ok. J'ai bien envie d'écouter le piaf aussi parce que je pense que le piaf doit être pas spécialement faux cette fois. Sauf que là il se superpose non-stop donc c'est un peu chiant, faut que j'attende. Ah là 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 là. Vas-y, 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 balance là. Putain, j'ai pas réussi à l'entendre puisque la première note elle était superposée à l'autre. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, je suis désolé, j'ai coupé complètement au hasard. Je dois vous dire qu'ils étaient complètement séparés. Et là, à nouveau, donc je coupe, je vais voir ça de plus près. A tout de suite. Alors, je suis pas sûr, mais les deux premiers du piaf de base sont les mêmes. Et après, il est refait dans le même ordre. Donc, on va essayer comme ça. Tac, on repart sur le petit, le grand. Au pire, ce sera juste l'inverse. Ok, merde. On mémorise ça, on fait pas de conneries. Donc alors c'est dans l'autre sens, c'est ça? Comme ça? Taras. Pipi pipi pru. Du coup je vais être complètement fou. Oh my god. Ok, je vais de nouveau isoler cette merde, j'en peux plus là. Alors là, j'arrive avec une nouvelle théorie, c'est que c'est le deuxième son qui est pas le... qui est pas répété en fait. Et il fait un au deuxième, je crois. Et j'arrive pas à le percevoir dans les autres notes, mais encore une fois, c'est juste à l'oreille, putain, et ça, c'est vraiment pas facile. Soit ça fait un truc comme ça, et du coup ça fait ça, ou soit c'est l'inverse au début. Bon bah super. Ah, j'ai des trucs fashion vu qu'on a le droit. Du coup, deuxième son qui est différent. Tac, et après à la fin il répète à nouveau le même. Normalement. Oh putain. Oh mon dieu de merde. C'est. Je pense que c'est un des pires puzzles. Vraiment en termes de difficulté, là pour le moment, je trouve que c'est un des pires là. Si vous voulez le faire par vous-même, je conseille vraiment vous. Faites comme moi, vous enregistrez le son, vous le exportez avec, enfin vous le convertissez avec VLC. Et d'ailleurs, vous prenez juste la petite coupure des deux oiseaux. Vous comparez déjà lequel paraît être le plus juste. Et bah, parce qu'en général, il y en a un qui fait 4, il y en a un qui fait 5. Donc voilà, s'il y en a un qui fait 5 et il y a 5 points, ce sera celui-là qui est 5. Hein, c'est logique. Et du coup, une fois que vous savez ça, bah, c'est bien, vous êtes content et vous pouvez avancer tranquillement. Ok, on va laisser ça s'activer tranquillement pour le moment. Et ce que je vais faire. C'est me casser de là. Alors, la maison c'est fait, la forêt. Ouais, je sais pas, forêt de bambou, on peut l'appeler. C'est fait. Là, il y a un puzzle à la porte que j'arrive pas à faire pour ouvrir le raccourci. Le château, on a fait. Le sous-marin, je crois que c'est de nouveau le problème avec les longueurs qui se coupent au bout d'un moment. Actuellement, j'ai envie d'aller dans le désert. Pour aller. Pas faire de loquet, mais. Tout simplement. Comment dire. Faire le puzzle qui était tout derrière là-bas. Je me complique un peu avec le chemin, je crois, mais bon, ça ira très bien. Ok.
l'arbre, il m'intrigue hein, d'être tout seul ici quand même. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Je sais pas, peut-être un truc d'écoute caché dans, entre un des cailloux. Ou alors sous les branches, vous voyez, dans un coin comme ça, des trucs cachés, j'en sais rien, mais... Même sur les branches, peut-être. Ouais, non. Ah, là, il aurait pu cacher un truc là-dessous, hein. C'était pas mal hein, comme cachette. Logiquement, cette porte devrait nous donner un... soit accès au souterrain qui donne accès au fucking moulin, soit accès à un autre super plan avec une vidéo à la clé, quoi. Putain, j'ai de la crème de bronzage pendant l'instant, je me dis, ouais, non, qu'est-ce que ça foutrait là? On a toujours aussi ce petit problème là de... celui-là, là. Si j'arrive à l'activer celui-là et le faire, ce serait juste super cool. Ah, avec le bateau peut-être. Vu qu'il y a un bateau qui est dessiné, ça doit être ça. Par contre, faudrait pas le finir à gauche, faudrait le finir à droite, c'est ça. Yep, là ça, ça fait un arrondi, donc c'est là la fin. Ok, c'est avec le bateau, tout simplement. Je pense qu'il y a pas mal de trucs comme ça à faire avec le bateau, mais ouais. Faudrait qu'on l'utilise plus souvent pour faire ces machins d'ailleurs. Ce serait une bonne idée. Ah bah oui, bah maintenant on sait à quoi servent les trucs bleus, putain. 1, 2, 3, 4. Ok, bah c'est nice. C'est nice, c'est nice, nice, nice. Alors, je peux faire genre, du coup, n'importe quoi avec cela. Tant que lui est entouré, on s'en fout. Ok, par contre, il faudrait que je fasse peut-être cette pièce d'abord. Voilà, dessiner. Ah non, je peux pas, il faut que je récupère ceux du bord d'abord. Comment je vais faire ça? Non, c'est stupide là. Attendez, peut-être que je peux faire un truc comme ça là. Bah non, c'est très très con. C'est très très con. Ok. On a 4 pièces. On a 4 morceaux qu'on peut retirer. Faudrait que j'en retire un à lui en fait. Et du coup, est-ce que je peux le faire dans toutes les formes que je veux? Je crois pas que je peux le poser comme je veux vu que lui il est tout droit. On va juste essayer, hein. Encore une fois, l'essai. Parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas, j'en sais rien comment ça fonctionne. Il ne me dit rien, genre c'est balek steak mon frère. Ah ouais. Alors on va essayer de le placer de manière à ce qu'on arrive à prendre des trucs bleus, mais lui il peut pas prendre des trucs bleus, c'est juste impossible qu'il arrive à choper un truc bleu. Donc on va le laisser pour le moment. Par contre lui il peut tous les choper, les trucs bleus. Ok, on va partir dans un autre sens plutôt comme ça. Je teste, hein, c'est vraiment gros essai. Ok, là, on a les trois trucs pour lui. Maintenant, il faut placer cette merde. Comment je te place? Non, non. N'essaye même pas. Ah, mais en fait, c'est lui qu'on devrait... On devrait lui laisser les 4 trucs. Et lui, on le place. Ce serait 1000 fois plus simple. Surtout que lui, on peut le mettre dans tous les sens. Donc oui, 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 c'est ça qu'il faut faire. Genre, on fait un truc dans le genre, boum, voilà, on est content, on l'a placé.
Et ensuite, il suffit juste à laisser tous les trucs bleus avec le bestiau là et c'est fini. En fait, c'est super simple. Ouais, c'est ça. Putain. Ah, mais là, il n'y a pas les 4 trucs avec. Oh my godness. Alors, on va enlever déjà tout ce qui est super simple à enlever. Non, là on sépare de nouveau. Putain, c'est pas si simple que ça en fait. Là on peut commencer à essayer de mettre cette pièce là. Non. Non, 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 c'est pas aussi simple que ce que je pensais là. Alors on va essayer juste de récupérer les pièces bleues. Ok. C'est pas si dur que ce que je pensais vu qu'il y a des pièces bleues là que je connais maintenant, mais ça reste quand même pas facile. Alors, voilà, on a récupéré toutes les pièces bleues là. Plus qu'à placer cette salope et récupérer les autres trucs, ce qui n'est pas possible actuellement. Je crois qu'il faut forcément que je le place comme ça, sinon je peux pas récupérer les trucs qui sont bah, dans les bords, quoi. Du coup, maintenant, il faut trouver un moyen qui prenne tous les trucs bleus, le petit bonhomme là. Et ça, c'est la tâche la plus difficile, quoi. C'est dans ce sens-là qu'il faut que je parte, je pense. J'ai vraiment du mal là, c'est incroyable. Non, 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 c'est stupide. Il faut prendre le moins de place possible au début. Non. Reprends les tétrimino. Les tétrimino, venez ici. Alors, si je te mets là, on est d'accord, je peux rien faire, bonhomme. Ah oui, parce que je pourrais pas récupérer le machin, donc. Il est forcément placé comme je l'ai dit. Et là, actuellement, je pense que notre but, c'est vraiment de supprimer. L'autre tétrimino parce que. Parce que c'est tout quoi, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, je peux pas récupérer ce bleu là, vous voyez.
Faut que je trouve un chemin qui fasse un truc dans le genre, mais qui prenne d'abord les bords gauche et en bas. Le truc c'est que c'est méga hard à trouver un truc correct. Oh putain, il faut que je fasse un truc dans le genre. Dès le début, je fais ça. Ou alors dans l'autre sens, je sais pas, mais il faut vraiment que je le fasse dès le début, ce machin. Réfléchis. Je crois que je tiens un truc pas trop mal là. Attendez. Si j'arrive à le faire comme ça. Ah ouais, non. En gros, faudrait que je revienne depuis là où je suis. Tac. Et boum, je l'enferme là-haut. Ça, je peux le faire. Ok. Donc, on peut le mettre là-haut. Ou alors là en bas comme ceci, comme je viens de le dire. Ah non, forcément là-haut, tac, ici. Ok, ça nous ouvre d'autres possibilités là. On va essayer de finir en arrivant là-bas en haut et on va laisser les pièces tranquilles en attendant. Non, parce qu'il faut que j'arrive, il faut que j'arrive comme ça, donc il faut que je laisse libre ça aussi. Donc il faut que j'ai accès à ça. Non, il est séparé du reste. Oh. Faut que je trouve un moyen de l'intégrer celui-là et après c'est genre nickel quoi. Il faut juste que ma logique elle fonctionne. Et après ce sera nickel. Non, là c'est toujours pas bon. Ah putain. Oh là. C'est chaud, hein. C'est vraiment super chaud. Je crois que je pars sur une mauvaise idée. On va essayer dans un autre sens. Ah, ça c'est mort direct. Ça c'est juste mort direct, quoi. Ah mais là aussi quoi. À moins que...
Non! Ah putain! Ok. On va recommencer comme on avait fait avant. Le début était très très bien, il fonctionnait à merveille. Non, 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 non. Oh my God. Bon, les amis, je vais couper. On va réfléchir de nouveau un peu chacun de notre côté, je pense. Et puis après, on verra bien qui c'est qui aura trouvé la solution la plus rapide. Ma que si, allez, à tout de suite. Me voilà de retour, les amis. Je galère toujours autant. Je modifie quelques trucs que j'ai fait. Je pense que le début est juste nickel, comme j'ai dit. C'est la meilleure des solutions, le début. Et du coup, ben, je sais pas. Non, mais là je fais de la merde. Ah putain. Oh my God. J'expérimente des trucs. Yes, on les a tous. Yes. Je sais vraiment pas. Mais j'ai l'impression que ouais, je me rapproche de la solution, mais... Non, c'est complètement stupide de faire ça. Oh, et si je faisais... Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Faudrait plus d'espace, je pense. Oh my God, ce puzzle est hardcore, vraiment. Ah mais du coup... Non, je pense que c'est pas mal d'avoir allongé les bords là. Je pense que ça c'était une bonne idée là, ce que j'ai fait. Maintenant... Comment récupérer ce truc? Oh là 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 là. Ah, je vous retrouve dès que j'ai la solution parce que là on est déjà à beaucoup de temps de vidéo. A tout de suite les amis. Ah, je crois que je l'ai trouvé. J'étais tellement proche depuis tout ce temps. Le chemin du début était correct, mais après le carré bleu, il fallait que je monte parce que... Justement... Sinon, je le mettais à chaque fois à l'extérieur où j'arrivais pas à fermer. Et là, en faisant ça, justement, il y a juste à faire une petite boucle à la con avant et... Et voilà! Aisé! Bon ben, on va voir ce que ça donne. Oh mon Dieu, je vous jure, je vous jure. Ok, de nouveau un de ces super trucs là. Ça m'étonne pas. Ça me paraît assez normal que ce soit ça. On va prendre une petite photo. Et on va se quitter là-dessus, les amis. On n'a pas avancé des masses, mais ouais, on a validé les zones bah, qu'on connaissait déjà. Et puis voilà quoi, merde. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Vraiment, on avance à petits pas là, vraiment. Il y a le. La dernière super zone de la mort qu'on a débloquée là aussi.
qui a l'air assez hardcore. Vraiment, le truc a l'air assez difficile, mais c'est cool d'avoir déjà débloqué. Et sinon, ça va, on avance au fur et à mesure. Le jeu est quand même bien bien long, en tout cas, comme j'ai dit, je suis pas un génie des puzzles, hein. Je suis pas un mec super fort en puzzle de base, mais bon, je pense que ça va, je m'en sors à un rythme plus ou moins correct, on va dire ça. Donc il manque ce village à faire, et le village, je sens que ça va être hardcore. Je crois que c'est le dernier truc qu'il nous reste à faire, le village. Non ? Aïe 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 aïe. Bon, on va se quitter auprès de. Près du village, hein, comme ça on est. What the fuck? C'est bien, t'as sauvé le cube. Je suis content pour toi. Du coup, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao ciao!